Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie d'Oknarfank pour un nouvel épisode de Terra Skype. J'ai réparé le jeu, voilà. Et donc après avoir vu le mode défi, ça a vraiment l'air d'être que ça jusqu'au bout. Hein. Alors, on a tartiné un gros bloc en une heure, je pense qu'on peut boucler le reste en 30 minutes. On va regarder, et puis éventuellement je ferai des vidéos pour tryharder l'or. Voilà, et puis après sinon on se mettra en jeu libre. L'idée c'est d'aller voir aussi le jeu libre. Bon après on est en early access, on est en 0.8... Mais je l'ai faite celle-là. Oh, j'ai pété le jeu, ça y est. Allez, on va casser tout ça. Ils aiment vraiment pas les cases de forêt, hein. C'est ça leur fait des trucs, hein. Voilà, par contre, ça fait des gros, là, ça fait des gros chiffres. Donc l'idéal, ça serait d'en poser un ici. Donc je l'encadre encore. Je peux même aller chercher ça ici. 72. Ok. Le suivant, il serait genre là, ici, à 52. Faudrait que je l'encadre aussi. Ouais, je suis allé trop loin encore. Je pense que dans mon idée, voilà. J'ai. Mon idée, elle est bordélique. C'est pas une bonne idée. Bon, j'ai débloqué l'argent. En fait, faut. Ouais. Alors attendez. Je vais. Parce que le truc, c'est que je sais pas si... Bah si, j'ai le bonus sur le champ, de toute façon. Je retrouve le bonus si je pose d'abord mes moulins et ensuite mes champs. Normalement, je retrouve tous mes bonus. Allons-y. On va avoir 3 moulins posés ici. Ça, c'est sûr. On peut encadrer, hein, on peut y aller. Ça va cadrer. Le premier. Donc le premier, il est là. Il faut lui faire sauter 1, 2, 3, 4, 5 forêts. Remplir passage parce qu'il aura tout ça dans son champ d'action. Le second est donc ici, il est bon, on peut déjà même le poser et donc aller chercher les bonus grâce au moulin à eau, le moulin avant. Et là lui c'est un peu plus compliqué, donc là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, il nous reste pile 10 champs, donc pile on va pouvoir enlever. Je vais d'abord commencer par retirer les malus. Moi je peux même tout mettre. Hein. Terminé. Et on n'a que l'argent, on n'est pas bon à 3 points près. Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'aller gratter 3 points? 3 points c'est sur le placement des champs qu'on va les gratter. Hein. C'est aussi simple que ça. Je me dis qu'on pourrait peut-être inverser la composition, c'est-à-dire un moulin en bas, en gros, et deux moulins en haut. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse. Ouah, à 3 points, on peut se le réessayer. 3 points, on se le réessaye. En vrai. Parce que j'avoue, j'ai quand même bien posé les choses comme un sac. 1, 2, ils sont à 1, 2, ils sont à 1, 2. Donc là, l'idée, ça serait plutôt d'en poser un ici. Non, parce que j'aurais une case de mer, ça aurait pas d'intérêt. Ce serait donc plutôt un par là. Un autre par ici. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir le plus possible la... J'ai pas de malus lié aux montagnes, mais... les cases de rivière sont considérées comme dans le... Ouais, c'est pas opti. En fait, il y en a un à mettre ici. On peut marquer le territoire de celui-là. Une fois que j'ai mis celui-là là, bah, je suis obligé d'en coller un ici. Et un là. J'ai pas énormément de choix, en fait. Parce que lui, je peux pas le mettre par là. Je pourrais le mettre là. Et faire une petite rota. Mais ça veut dire que si toi, t'es là. 1, 2, tac, lui, il serait là. Ou ici. Mais il se tape une case de... Non, c'est...
Mes cases sont bonnes. Je vais pas. Bon, je vois peut-être un peu plus vigilant sur. Sur mes bonus malus. Ok. Et il me manque un champ. Ok. Donc l'autre, il sera ici. 15. 15. T'es ici. Non, t'es là. Oui, t'es là. Ok, bah là pareil, on va aller chercher du 72, donc ça va être showtime. Donc faut aller chercher, là on a le moins de malus d'abord. 11, 11, 11, ça change absolument rien. Bah écoute. ...751, on est bon. Donc c'est bel et bien dans le placement des chances, ça veut dire qu'on récupère... Enfin... que quand même l'ordre dans lequel on pose les chances pour les bonus, malus, genre... moi en fait je peux poser mes champs n'importe comment, mais idéalement faut quand même bien les coller, commencer par celui qui a le plus de bonus, aller chercher... non pas le champ qui est à 8 à côté, mais à 11 qui est à côté, si on peut aller le chercher, parce que du coup il transformera le 8 en 11, voilà, etc. Ou en 14, bref... Il y a quand même, faut quand même bien respecter un ordre de pose aussi. Ça veut dire que pour les autres là, vraiment pour le verger tout ça où je suis un point près, c'est vraiment dans l'ordre de pose. C'est vraiment ça en fait. Des tailleurs de pierre. Eh bien, carrière into tailleur de pierre. Donc les tailleurs de pierre, évidemment ils détestent les autres tailleurs de pierre, mais ils sont heureux tant qu'il y a, de la caillasse, de la roche et des montagnes, et des carrières quoi. Ok. Donc nous, on pose des carrières quoi. On est des carriéristes, voilà. Pose des carrières. On est comme ça. J'en ai un gros à 55, mais je crois que j'efface une roche si je fais ça, non? Non, ok. Let's go. J'ai vu un petit 45 par ici, là, ça régale. Voilà. J'en ai encore 4 à poser comme ça. Oh là, 55. Hein. 55, 55. On est pas mal, hein. On est pas mal, on est carré, hein. Et 45 par là. Bon, ça me paraît très bien. Ça m'apparaît même formidable. On a donc rentré la moitié de nos points, ça veut dire qu'il faut faire l'autre moitié des points avec les carrières. On en a 4. J'ai une carrière à 80 points, là. 100 points. 100 points où je remballe. Enfin, si vous y tenez, hein. 60, 75 toujours plus hein. Ah mais 60 parce que je suis collé à l'autre. Putain mais c'est... J'arrive à faire des 65 en collant mes... En, calant, en collant mes séries les unes aux autres, c'est ça? Vraiment? C'est vraiment ça mon destin? 75, 75 de toute façon ça me paraît... formidable. 55 ici, c'est pas dit. Par contre, on avait vu qu'ici, il y avait un petit, petit 70 qui traînait. Alors, on va prendre le petit 70 qui traîne. Hein. 25, 50, 55, 45. Donc là, il faut qu'on aille chercher une série à 70. J'ai vu un petit 65 là. Petite série à 70, elle est repérée là. Est-ce qu'on a un plus beau site que ça? Non, comme quoi, tant pis, il faut les coller les unes aux autres, mais... voilà, j'ai ma médaille d'or, on n'en parle plus. Voilà.
en 2 minutes 22 secondes. Pile le nombre de points. Robotiser le gars. Petit café, hein. Vous parlez si c'est un jeu qui vous plaît bien ou que vous pensez qu'il y a un potentiel, ça peut être intéressant de le pousser du bleu parce que ça veut dire... Ça veut dire que si déjà ce que vous voulez potentiellement peut vous intéresser dans le futur, c'est-à-dire que je ne désinstalle pas le jeu, quoi. Mine de fer. Fer, montagne, mine de fer. Ok. Donc là, c'est les mines de fer qui nous régalent. Il n'y a pas trop de chipotage. Il n'y a pas trop de soupe dans le potage. Ouais, j'ai pas l'impression que... attention, hein. J'ai quand même fait peut-être... Là, ici, j'ai peut-être laissé un trouillou... Le trouillou qui va pas bien. Hein. Non, c'est bon. Non, c'est bon, en fait. Voilà. Pourquoi les défis sont pas... ne sont-ils pas tous aussi simples? Moi, je veux voir ça, là, avec les maisons qui évoluent encore, là. On l'a vu, là, sur le schéma. Sur l'écran. Des champs de houblon. Ah, on va parler picole. On va parler bière, là. Ça a l'air d'être parti. Roche, côte, prairie, montagne, rivière. Là. Ils ont jamais de malus? Zéro malus. Les mecs, ils ont que des bonus. Genre, on est content tout le temps. Notre vie, elle est méga top. 21. Quarante-sept s'y sont collés. Et 41 quoi. 63. Oh, mais tu nous surrégales. Ça veut dire que là 49. Et là 42 même si t'es sur une plage. Hein. C'est bon pour vous. 35, 33. Oh, il y a des petites dingueries là. Hein. 41, 31, 33. On va aller chercher le 41. 29 dans la vallée, non. 42 par contre, je vais le chercher. Hein. 36 aussi. Hein. Ouais, ouais. Ah, attends. Essaye, parce que là, moi, j'avais pas compris qu'il fallait tout coller dans la caillasse. Moi, s'il faut tout coller dans la caillasse, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir, là. 59, là. Ça me chante bien, ça, dans les oreilles. 55. 49. 47, 45. Alors, on a déjà un petit cœur de montagne bien structuré. 33, 21, tatatata. Alors 33, c'est pas d'intérêt immédiat. Parce que je sais qu'on va avoir mieux. 37, 49, 41. C'est assez énervé. 45. Après, on a l'air de partir sur des 33 un peu partout là. En fait, lui, c'est une fausse bonne idée parce qu'il est isolé. Il n'aura pas, le bonus des autres. 33. Ça va être du 33 partout maintenant, c'est ça. 33, ouais. Ça va être 33 partout. Go pour les placer les 33. Oh. Ça veut dire qu'il y a plus opti encore que ça. C'est chaud, là. C'est chaud, je sais pas où est-ce qu'ils vont le chercher. Parce que là, ici, il n'y a rien comme bonus. Attendez, je vais juste regarder. Ou alors, vraiment, on va chercher un bonus full plage. Genre, on part du principe que le premier donne rien et que tous les autres vont régaler. Ça m'étonnerait, ça. 42. 45. 36. Ah, si, hein, y a une histoire, là. Hein. Allons chercher tout de suite ce qui sauce. Ah, mais là, tu vois, peut-être que je me suis planté. Ce que je suis en train de dire, ouais, je mets les deux gros qui pèsent. Mais j'aurais peut-être dû faire d'abord la ligne pour aller vers... voilà, parce que là, par exemple, lui, par exemple, c'est 41. Si je m'étais écouté, j'avais fait ça. Et alors qu'il vaut mieux poser le 47 d'abord. D'accord, bah pose-moi tout n'importe comment, on s'en fiche, on va la recommencer. Restez tout de suite. Parce qu'en fait, idéalement, il faut effectivement les tirer le plus possible en ligne.
Et on va les tirer en ligne à partir de celui qui vaut le plus cher. Parce que ça veut dire que même si je perds là... Ouais, dans 55, ça vaut quand même le coup que je le pose en premier, je pense. Non? Bah non. Parce que normalement, 55, lui, va devenir bien plus. Parce que lui, techniquement, il sera déjà 49 parce que j'aurai celui-là. Il sera même à plus de 49. Oh, pose, n'importe. Vas-y, on s'en fout. Hop, on recommence. Oh, nous sommes nuls. Vous n'avez rien compris, monsieur. Je sais. Ça, on l'avait bien compris que j'avais rien compris. Donc, celui-là, 47 ici, 49 par là, 59 ici. Et il n'était pas à 59 de base, c'est ça la question. 49, c'est plus puisque l'autre était à 47 et 41. Ouais, donc c'est ça, on a gagné les bonus, j'ai envie de dire, de chaîne, d'enchaînement, quoi. De collage. 49. Pff, ouais, bah là, il n'y a pas grand intérêt. ...36, 35... ...33... Ah bah médaille d'or. Moi c'était ça. Comme quoi, l'ordre de placement a beaucoup d'importance, définitivement. Ok. Joli. On n'a pas parlé des graphiques, mais c'est vrai qu'ils sont sympas. Et il y a des petits bruits quand tu zoomes. Pas spécialement prêté attention à ça. La cabane de chasse, je pense que je vais la poser en premier. Les trois cabanes de chasse, parce que j'en ai trois. Donc il y en a une à 82, pas de discussion. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. 66, ça me paraît pareil, hein, relativement assez indiscutable. Et ici, elle sera un peu plus moche, elle sera à 30. Ah, attends, peut-être trouver un truc... Ah oui, 38, même si je te colle à l'autre, quoi. Hein, c'est vraiment... C'est vraiment... mon jeu qui te regarde, fait si, vas-y, fais-le. 52, j'ai un deal. J'ai un deal ici à 52. Je le prends. Les vergers, c'est vrai que je pourrais taper du verger maintenant. Parce que les vergers, ils vont vouloir être collés les uns aux autres. Je les connais, hein. Je les connais, ces petits malins. 4, 30... 30, c'est intéressant, ça. 30, c'est pas déconnant. C'est que si je fais ça, je pète un bonus de chasseur. Ah ben non, trop tard parce que le chasseur est posé, donc casse plus rien. Les vergers sont pas si évidents que ça à poser. On part sur du 15, il y a du 18 par là. Voyons voir ce que peuvent m'offrir les bûcherons en termes de bonus. 16. Pas dingue les bûcherons non plus. Hein. 12. Ouais, y a rien à se mettre sous la dent. Oh, les placements compliqués. Hein. Oh, les placements pour lesquels nous souffrons. Hein. Oh, 12. Ouais, 12. Ouais, bah 12. Hein. Il me reste un bûche. Il me reste un bûche. Hein. Un bûche à 12 à rentrer là-dedans. Hein. Il y avait un 12 là. Voilà. C'est pas glorieux. Alors les scieries. Voilà, les scieries. Ouais, les scieries aussi. Alors, on va se marcher dessus. Hein. On se marche dessus, les gars. Comme jaja. Moi, j'ai vu 2,35. Je pense pas que. Ah si. Ah ouais, si, si. Attends. Il y a quand même des mecs à 66 qui se posent là. 66. Et après, ce sera forcément 35.
Il n'y a pas un gars que je peux aller gratter. Non, ce sera 35. Hein. J'allais dire c'est pas Jojo, mais si c'est vaincu, parce que je me suis dit tiens, il faudrait sûrement mettre la cabane de chasse plus à droite. Bon, non, c'est bon en fait, c'est bon. Comme quoi ça avait l'air difficile, mais ça l'était pas. Et ben voilà, on parle de bière maintenant. C'est ça qu'on veut. 35, 45. Peut-être ça discute. C'est joli, hein. 45, 35, 35, 33. Je le tire à partir de là. J'ai 2,23 qui se battent là-haut. Et bon, du coup, j'ai 2,27 ici, quoi. Donc, je suppose que les champs de houblon, ça régale. Les rivières, ça régale. Les brasseries, c'est détestable. Au possible. Mais. Sorry. 30. C'est nul. 55. Ça, 55, c'est classe. 30, c'est pas ouf. 30, à première vue, il n'y aura pas trop le choix. 30 et 30. Parce que sinon, après, c'est moins 8000 sinon. Vous n'avez rien compris au jeu. D'accord. D'accord, je veux bien. Ce qui veut donc dire que là, ce qui va nous intéresser... par rapport précédemment, c'est plus d'encadrer genre une brasserie. Alors c'est plus de d'aller là en disant ouais tiens plus un, prends ça. J'ai l'impression de perdre énormément, genre là si je mets un 19 je me tire une balle en fait. Vas-y, on va tester hein, on va tester, mais moi j'appelle ça se tirer une balle hein. Je veux bien garçon, mais j'ai mal là. Hein. J'ai beau être matinal, j'ai hyper mal. Moi, je te prends ta brasserie, je la pose là. 70 quand même. Ouais, si, quand même, il y a quand même une idée. 45, et je peux peut-être poser un truc ouille par là, un truc aille par ici. Alors là, elle est plus intéressante sur le sable. Hein, donc, ça. Donc là, je l'avais la posée à 26 au lieu de gratter 41. Parce que je perds 15. Est-ce que tu me les rends? Tu me les rends même pas, t'en as rien à foutre. Il m'a dit t'es nul. D'accord. Là j'ai déjà une brasserie rentable à 40. Vous avez pas compris le jeu, cassez-vous, allez jouer à autre chose. Ça embête cette histoire. Ça embête cette histoire parce que pour le coup, ça a l'air d'être une mécanique. J'arrive même pas à tirer la médaille de bronze. Donc il y a vraiment une mécanique qui m'échappe. C'est même pas genre ouais, le placement il est pas au petit blabla quoi. Non, non. Il y a marqué vous êtes nul. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Le jeu c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Mais il dit cassez-vous, vous êtes nul. Quel intérêt que j'aille exploiter ça là-bas. J'ai des 29 et des 27, des 30 ici là. 55, 50. 55. 25, 25. C'est pas Jojo, hein, 35. Et 30. J'ai rien compris.
Et je peux même pas passer au défi suivant parce que du coup je suis débile, j'ai rien compris. C'est pas ce que j'aurais aimé voir. C'est dommage que là par contre dans le détail on n'ait pas combien de points j'ai fait avec mes brasseries, combien de points j'ai fait avec mes, mes champs de houblon. Même si ça je suppose que c'est tout ce que j'ai fait en champs de houblon. 336. Ouais c'est ça, ça doit y ressembler à peu près puisque ça va faire à peu près une centaine de points avec les brasseries. Sauf qu'il me manque tellement que ça veut dire que forcément, j'ai rien bité avec les brasseries. J'ai tellement rien bité avec les brasseries que... Pourtant les brasseries, les bonus sont nuls. Enfin, si vous m'excuserez, mais enfin les bonus sont vraiment pourris quoi. C'est genre, la rivière donne quasiment autant que... Genre celle-là, elle est censée être ultra rentable. Oh putain, c'est peut-être ça. Excusez-moi. Je vais dire flux de saperlipopette. Peut-être que les placements de ces cons, c'est ça. Oh, les placements de ces morts, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 54, là. Ouais, ouais. Ouais, il y a une histoire, là. Je vais prendre le 41 parce que faut pas non plus me prendre pour un glandu. 35, 33, 35, 39. Et j'ai au moins le bronze. Ok, ouais. Bon après, j'ai un peu bourré n'importe comment. J'aurais peut-être dû aussi aménager la montagne nord. Ce que j'ai pas fait. Et peut-être que ces deux brasseries sont pas convenablement posées, parce que là par exemple j'ai qu'un j'ai deux bonus de rivière, mais si je pose celle-là là, j'ai qu'un bonus de rivière. Je la pose là, j'en ai deux. L'idée c'est peut-être de faire ça, into ça, into ça. Et de me tapisser ça comme un gros sourd. 57, alors celui-là il régale. Hein. 48. 38. 38. Là ça sert à rien. 27, non. 37, oui. 33, 35. 35, hein. J'ai pas la médaille d'argent. Mais on a compris un truc. On va peut-être même aller chercher l'argent sur sur peut-être simplement un meilleur placement de des champs et des brasseries. Parce que là en fait techniquement je vais pouvoir en mettre plus autour. Mais ici je peux en mettre moins autour mais les champs sont meilleurs. J'ai fait 498. Ok, on va réessayer comme ça. Avec 54. 42, 44. Toujours aller au plus intéressant. 42. 39, 42. 42. 39. 38, 38. Non, je reviens à 498 avec ce placement-là. C'est pas grave, défi suivant. Je reviendrai dessus à l'occasion. Le fameux tryhardage qui se rapporte au plumage. Ah, des maisons. Des prairies, des roches, des côtes. Des quartiers, des donjons, des maisons, des résidences et des chaumières. Donc,
Si j'ai compris. Je pose mon donjon. Eux, ce qu'ils aiment, globalement, c'est être collé au donjon. Ils se full-fill 19 entre eux. Il y a des choses qui m'échappent, mais ok. Ah oui, c'est parce que je suis collé à l'arrière. Eux, s'ils se transforment pas en quartier, ça sert peut-être à rien de s'embêter avec ça. Hein. J'ai pas encore gagné de médaille. Ah ouais d'accord, donc vous avez même accepté. Waouh, carrément regardé, il m'a fait vous êtes naze monsieur, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nul. Ne faites pas ça. Vous êtes pourri. D'accord. Ça, ça gagne 5. Ça n'a rien à faire de la rivière. Ok, ça. Ça veut du quartier et du donge. Quartier, c'est quoi? C'est l'addition de toi, mais c'est l'addition comment? Ah si, si, si. Donc en 4, vous vous transformez bel et bien en quartier. Ok, ok. Hop, est-ce que je peux juste réessayer direct? Voilà. On sent qu'on est en 0.8 quand on voit la tête du menu. Sinon, ça fait... c'est pas... Ça sort de l'immersion. D'accord. Donc, il y a bel et bien une histoire de la vie. Du cycle éternel, tout ça, tout ça. Les lacs, les forêts, les rivières. Donc en fait, va falloir même que je commence par ça. Idéalement. Et je l'ai mal foutu, mon quartier. Quand on est nul, hein. Quand on est nul, on n'est pas doué. Et en fait, ce qui est très embêtant, c'est qu'il faut penser tout de suite comment on pose le donjon, parce que le donjon, lui, reçoit des bonus de personne. Il en donne à tout le monde, mais il ne reçoit rien. C'est lui, il s'en fout. Il n'est pas concerné. Donc là, il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4 ici. Donc mon donjon, il doit être collé là. Là. 14, 12, 12... Je vais chercher. Oh bah je vais chercher mon 16. Hein. La bonne journée mon poulet. Hein. Allez 14. C'est 16, 16, mais à ce stade là, est-ce que justement ici c'est pas plus intéressant de vous voilà. Sortir un 22. Ah oui, on est passé sur un bonus de 30. Hein. Pareil, hein, la façon dont je pose probablement les quartiers, c'est je suis peut-être en train de me maluser tout seul comme un andouille. Au vu de comment je les place. Tac tac, ils aiment pas trop les hauteurs. Forêt, rivière. T'aimes bien tout ça. Hein. Garde des jolis bonus par ici. Ah là, ça restera moche quand même. Mais ici, il y a peut-être moyen de sortir un truc un peu joli. Je sais pas si ça va me raboter la montagne. Hein. Je pense pas, hein, en vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Ça le fera pas. Voilà, je vais poser ça ici. Hein. Ça sera joli quand même, ne vous inquiétez pas. Oh, je vais y arriver un jour. 30. Ok, on s'est fait péter une médaille. 16. Ah, j'aurais peut-être pas dû, ça aurait peut-être été intéressant de,
T'allais construire un quartier là de l'autre côté. Dommage, je l'ai pas fait. Ah si, j'ai gagné la médaille d'or. Bon bah d'accord, défi suivant. Bon bah tant mieux. Ok, donc là on commence à avoir une vraie idée. Mais on a toujours pas vu ce gros château fort là. Ah, une histoire de chapelle. Résidence, place, chaumière, déteste les autres chapelles. D'accord. Bonus de 5 avec les places. Gros bonus avec les résidences. 30. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup de... Ok. Ok, ok. On va te faire ça, on va te faire ça. Bouge pas. Bouge pas mon gars, ça va arriver. Deux, trois, quatre. Un, deux. Fais la même. Ouais, on fait la même. Voilà. Into. Place. Place. Ah oui. Ah, j'aurais peut-être dû faire un motif inversé. Voilà, j'ai perdu parce que je suis idiot. Et que j'ai pas regardé le rayon de la chapelle. Vous avez perdu. Non, si. Non, si. Non, si. Ça peut durer comme ça très longtemps. D'argent, vous avez été minable, réessayez. Oui, 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 tout de suite, je fais mieux. Je vais faire mieux. Ne bougez pas, je vous fais mieux tout de suite. Je vous fais ça mieux. On part sur l'idée de la chapelle, elle est ici, ok. Idéalement, faudrait construire. Oui, mais en même temps, si je me tire une balle dans le pied tout seul, non, parce que... Je vous rappelle que l'ordre de placement... est important si on veut opti. Donc on commence pas par poser un 6 mais par poser un 10. On a l'air moins con à la fin de la journée. Voilà, genre, on commence par un 10, c'est très bien. On a un 12, voilà, c'est parfait, du coup on se retrouve avec un 12, mais un 10. C'est mal placé, c'est ça. Crétin. C'est dans ces moments-là qu'on devrait pouvoir faire des schémas. C'est terrible. Ah, mais je peux pas mettre de quartier là. Du coup. Lui sera là. Est-ce qu'il fallait l'entourer de plage, genre, si lui était ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est exactement ça. Mais vraiment. Hein. Vraiment. Ok. Et en plus, les places, faut les passer, faut vraiment les placer en dernier. Parce que... ils ont vraiment un gros bonus. Genre, eux, leur bonus, il est 10 en présence d'une résidence. Alors que eux, il est que de 6 en présence d'une place. Donc, faut vraiment placer les chaumières. Mettre les places. Et la chapelle en dernier. Allez, on va essayer. On va essayer, mais normalement, c'est la bonne. Si je me fais pas troll par une colline qui veut pas me faire un quartier. Si on se fait pas troll, YouTube, ça va bien se passer. Alors. Lui, il est là. Tout ça, ce sont des places autour. À partir de ces places, il faut des quartiers. J'ai placé un 8 là, en premier, là. C'est vraiment ce que je viens de faire. Il faut des quartiers, on a dit. Donc lui, il est là. Ça, c'est une place. Donc, ça, c'est une pointe de quartier. Oh là 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 là, c'est moche que je suis en train de faire. Mais on y croit, YouTube. On y croit. Je pense que j'ai la place. Tac, tac. Ouais, j'aurai la place de caler un quartier. Regardez ça.
Regardez le style YouTube. Oh putain. Saperlipopette. C'est pas du tout ce que je voulais. Je me suis dit, j'espère qu'il va fusionner avec la maison d'en bas. Non. Sinon, c'est pas aussi drôle. Ok. Ok. Donc, on commence par poser la plus-value. Donc, ça sera ici. La plus-value, elle est là. Ok. 16. Ok. Alors là, ça va être forcément un 8 comme ça, pas joli. Donc nous, on est toujours ici, là, pour l'instant, tout colle. Tout colle. 16, 14, 10, touche. C'est exactement ça. Donc on est toujours là. Il faut que ça longe ça. On est toujours bon. Et là, je crois qu'on n'est pas bon parce qu'on est mal placé. J'ai pas la place de rentrer un quartier. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ah, c'est dommage. Nous avons tout raté. Bon, ça suffira pour débloquer le bronze, hein. Encore poser l'arrache. Ah bah c'est suffisant pour débloquer l'or. Et j'aurais pu faire plus propre pour avoir un quartier supplémentaire. Parce qu'en fait lui il aurait dû être en biais pour laisser une place à lui aussi en biais. Alors, en fait on aurait dû avoir deux lignes. Hein. Je vous montre si vous cherchez le truc parfait. Ici il fallait faire deux lignes. Deux en gros à l'horizontale et pas en verticale. Et j'avais de quoi rentrer deux quartiers. Donc ce qui faisait que ça touchait les rebords. Tac. Ah, quoi qu'attendez. Une. Alors, ouais, il aurait fallu commencer par lui, c'est ça. Une, deux, trois, quatre. C'était ici. Et l'autre, c'était là. Une. Ok, deux, trois, quatre. Ok. C'est ça. Il aurait fallu que je fasse d'abord celui-là. Et finir par celui-là. Voilà. Voilà dans l'idée. Hop. Sauf que vu qu'on a placé les maisons en essayant de prendre des points. Bah finalement l'opti n'a pas été nécessaire. On a été plutôt bon hein, sur ce coup là. Des jardins. Bébé. C'est à moi que tu parles. Ah j'ai un problème là. I got a gros problème. I got a très gros problème. Jardin ne rapporte que 7. Alors, en fait, j'explique mon problème. Bon, on va devoir poser un donjon qui va nous casser les noix. Nous avons ensuite un bonus de quartier, hein, donc un bonus qu'ils s'apportent à eux-mêmes. Et le bonus du donjon, pour un solde de 2,25. Le jardin va avoir un bonus avec le donjon, les quartiers, qui, lui, est déjà de 40. Au lieu de... Excusez-moi, au lieu de... Oui, au lieu de 25. Donc en fait je suis en train de me dire qu'il vaut mieux construire petite démo. On va essayer, hein. on va voir le seuil de tolérance du jeu. Moi j'aimerais me placer par ici. Voilà, je suis posé comme ça. Ah c'est pas ce que je voulais. Sad, c'est pas ce que je voulais faire. On verra. On va se le placer comme ça. Non, ce que je voulais, c'était un des trucs nuls. Genre... un peu comme ça, là. Un peu pas très bien collé. Un peu pas très bien collé, parce que... En fait, vous avez un meilleur bonus. Voilà, vous avez un tout gros bonus bien gras. Ok, donc là, j'aurai moins 36. Mais l'idéal, c'est d'en placer un là. Et pour en placer un là, il faudrait que je fasse... Oh, je peux même en placer deux. Attends, quartier into quartier, hein. C'est ça. Les bonus de jardin sont quand même bien gros. Donc là, pareil, au lieu de se taper moins 10, bah tant pis, je mets ça. Et j'ai pas moins 10. Et j'ai même plutôt 58, genre. Là, 46. Là, 40. 47.
Ce serait égal, hein. 47. Ah oui, parce que là, 30, mais parce qu'on se prend un malus de ça. De créatures sauvages. Et là, j'ai envie de refaire la même. Je... quartier into quartier. Sauf que je suis plus collé au donjon. Donc, je perds mon bonus de 20. Et oui, c'est ça le problème. C'est que je perds mon bonus de 20. Ah. Voilà, j'étais bête. Par exemple, j'aurais dû poser une maison. Voilà. Donc, j'ai une médaille d'argent. Mais c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer. En fait, ça va être un peu sport à poser. Entre autres parce qu'on n'est pas sur une map bien droite, bien lisse, bien nulle. Hein. Et que j'aimerais garder les rivières. En plus, ils sont vaches, ils m'ont collé des biches partout. Hein, les gros sacs. Lui, il faut quand même que je le mette dans un coin, mais pas trop non plus. Genre, bah ouais, en vrai, comme ça. Hein. Parce que l'idée, c'est là, par exemple, on va effacer les problèmes. Qui... voilà. Là, on a effacé des biquettes. Là, est-ce qu'on peut rentrer un quartier sans que je sois trop embêté? C'est pas Jojo, mais ouais, on va en glisser un. Donc lui, pour le coup, il touchera la cité. 1, 2, 3, 4... touche pas la cité, parfait. 1, 2, 3, 4, comme ça. J'ai donc tout posé. Maintenant, l'idée c'est, je te pose toi, j'efface la biche. 58, 71, 66, 65. Ouais, ouais, 53, ouais. 51. On a un 41 et un 38 qui traînent. Je regarde si on n'a pas mieux, mais je pense pas. Voilà, là-bas on peut... ah, 60 qui se balade tout seul là-bas. Un petit 60 tout seul, en solo cul. Bah, ce sera 41 à partir de là. Ah, non. Ce sera 47 à partir de là. Et bon, on les a presque tous, mes points. On est pas mal. C'est presque tentant de se la refaire. En réfléchissant à la pose des quartiers, mais c'est pas grave, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer dans l'idée. En fait, là, pour le coup, c'est vraiment plus intéressant de concentrer les jardins autour de du donjon, parce que c'est eux qui rapportent le plus. Des forges, on n'a pas déjà checké les forges? Mine de fer, fer. Ah non, c'était pour les carrières. Wow, ça va être le même délire, ça. À part qu'il va falloir éviter d'effacer... waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Tu me dis des choses. Hein. Tu me dis des choses, tu me fais des choses. Hein. Je te vois, le jeu. Hein. Je vois, le jeu, les propositions que tu me fais. Hein. Et je dis oui. Alors, je sais pas trop, hein, j'ai posé un peu... walou. Hein. 40, 150... en fait, c'est ouais, les minerais comptent aussi, hein, donc parce que 150, moi j'aime bien l'idée, hein, mais 145, j'ai peur de tout manger pour les copains, quoi. Alors, il y aura pas trop le choix de façon, les gars. J'ai l'impression que ah, 135 ici une fois, hein. 95, c'est pas mal, hein, ça reste correct. 95, 105. On sent qu'on discute, bébé. Pouette. Ouais, il n'y a pas non plus 50 millions de zones de pause possibles. À moins que le jeu nous ait fait un trollage avec plein de mines de fer dans un coin. Mais ce sera 105. Voilà. On a fait notre quota. On est bien. J'ai envie de dire, le jeu demande juste de poser des mines, on sera heureux. Hein. Ah, tu me dis, je pose des mines, y a pas de problème. On va réchauffer le café, là. Ouais, ouais, vite fait. On va le réchauffer vite fait. Ah, des structures un peu plus complexes. Et il faut aller à 1100 points. Quartier, rivière, lac, montagne, jardin, maison,
Malus de gibier, malus de côte, malus de roche. Malus de roche? C'est-à-dire là, en gros, là... Moins 6, parce que t'es sûr de la caillasse? Ok, ok. D'accord, ok, ok, ça marche. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Donc, idéalement... Faudrait commencer par ça. Pour chercher à effacer la roche, quoi. 45 aussi, frère, je suis obligé de le prendre. Hein. Marrant, pas trop le choix, moi. Surtout qu'avec un peu de chance, là, je me cale une petite taverne, là. Petite taverne en Averne, mon gars. Mon gars sûr. 39. 39, c'est solide. 35, c'est pas mal. Poser des trucs, voilà. Et il y a celui-là qui me plaisait bien aussi. L'idée c'est de poser des brasseries, parce que toi tu vas avoir un gros bonus avec les brasseries, non? Non, que dalle, presque. Presque rien. Donc t'aurais un bonus à côté de ta rivière, tu serais déjà à 30 sans aucun champ. Je suis d'accord. Moi je pense que toute l'idée c'est de plus ou moins venir construire par ici. En fait, j'allais poser deux champs vraiment tout seul au milieu de nulle part, qui n'était pas une bonne idée. L'idée, c'est de venir ici, quoi. Clairement, je suis déjà à 45, j'ai rien posé, quoi. Bon, bah, c'est parti, on va saucer, hein. 48. 44. 39, pour l'instant, il y a peut-être plus intéressant. 44. 38, on a dit 39. 39 reste intéressant à poser, hein. Tac, tac, 30. 39. Après, c'est 2,38. Hein. Bon, ça sera 1,38, donc, ici. Ça fait une jolie... Ça fait un joli coin. 5, je sais pas. Tu détestes l'eau, t'as un problème avec la flotte, je sais pas. Non, 5, ça ne gêne en rien, visiblement. Tac, 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 tac. Tente des trucs. Ah, ça m'arrange pas trop là. Ça, je sais pas si c'est considéré vraiment en hauteur. Ah, j'avais pas non plus énormément. Ah, mais il me reste des tavernes par contre. Il me reste des tavernes. Il me reste des tavernes. 20, 40, 58. Passe-moi ce truc moche là, ce gibier là. 11, 26, 26. J'ai tout posé n'importe comment, c'est ça. Hein, le jeu va me regarder, il est en train de me juger là. Il dit t'as vraiment fait ça? Bah, la réponse est malheureusement oui. J'ai vraiment fait ça. Vous n'avez rien compris au jeu, cassez-vous. D'accord. Oui, monsieur. Déjà, j'ai pas posé toutes mes tavernes, c'est peut-être un problème. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça a l'air d'être un problème pour le jeu. ouais, on va commencer par les... Pour moi, là-bas, ça a l'air d'être les brasseries. Je dis bien pour moi, c'est peut-être pas le cas. Ah oui. Mais attends, il y a une différence entre brasserie et taverne. Il faut des brasseries et des quartiers dans les environs. Je vois, tu veux dire. On peut sortir des trucs à 60 après. Genre comme ça. Ah mais... Ouais, bon, bah d'accord. Comme ça, du coup. Putain, j'allais tellement mal placé. Je me déteste. Excusez-moi, vraiment, je me déteste parce qu'elle est trop mal placée. Quitte à la placer plus tard, et moins bien la placer, mais là, elle gêne vraiment un champ, quoi. C'est vraiment, tu gênes des points, là. C'est officiel. Brasserie, montagne. Pas d'impact sur le reste. Donc, j'ai trois brasseries. Je pourrais peut-être aussi en caler une par là, hein, en vrai. Hein, pour me libérer un peu de place. Mais, ouais, non, on va aller chercher celle-ci. Celle-là.
Et j'en ai une à 3 là. Ok, donc là c'est les 3 qu'il faut placer. Ensuite les tavernes. Il y a 2 tavernes à placer. Je pense que par là on peut essayer de rentrer des quartiers. Into jardin peut-être. C'est quoi la portée d'un jardin? Ouais, c'est 1 seulement. C'est pas terrible, hein. 90. Oui, idéalement, faut que j'ai les 3. Ça veut dire qu'on prend cet emplacement-là, alors que cet emplacement vaut 49. Ouais, mais 49, c'est pas 90, hein. Donc, 90. Et bah tant qu'à mettre un 60, autant mettre un 60 là où ça gêne pas, où ça gêne personne, où ça n'intéresse absolument personne. Alors où ça n'intéresse absolument personne, j'irai peut-être pas jusque là. Parce que voilà. Il y a quand même un petit intérêt. Il y a quand même un petit intérêt. Oh, une question. Je peux attendre, je pense que je vais la poser par là. Je pense, hein, je pense que ça va finir par ici. Hein, mais pour l'instant, on va éviter. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça a déjà des 34. D'accord. Je vois déjà un 34 là qui serait intéressant. Avec un gros bonus de rivière. Ouais, ouais, c'est joli, hein, c'est joli. C'est joli, donc ça... Effectivement, effectivement, on peut y avoir des choses... 54. Les places sont chères, les gars. 54. 44. J'ai un 45. Ouais, mais ici j'aimerais bien caler un quartier en fait. Est-ce que j'ai encore la place? 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais, pour aussi j'ai encore la place. Il y a encore la place de rentrer un quartier. Il m'en reste 2 à poser. 5, 38. Ça va être un 38, hein. Ok, il me reste une taverne. À moins 50? Comment ça? Ah oui, j'ai à côté de l'autre. 60. Ouais, 60, alors que le jardin, 34. Il faudra se rendre à l'évidence, ce sera une taverne. Les maisons. Donc là, 1, 2, 3, 4, je pose un quartier. Un petit jardin. Très joli. 61, c'est pas mal. Mais 61, ce sera encore mieux. Non, ce sera pas mieux. On pourra pas faire mieux parce qu'il est entouré de rivières. Très d'accord. 10, 20, 20. Bon, il n'y a pas grand chose à tirer par ici. Il n'y a pas grand chose à manger par là. Par contre, si on repose des quartiers... on peut reposer des quartiers. Pour poser des quartiers. Alors, je sais qu'on travaille surtout beaucoup sur la partie nord. Oui, il y a des choses qui peuvent être faites ici. On est d'accord. Hein. Donc toi, t'aimes pas la roche. Hein. Genre, si je te mets là, tu détestes ça. Hein. 26, 35. Moins 6 de bord de plage. Je m'en cogne de ton bord de plage, tu vas aller dessus. Hein. Ok. Peut-être le problème, c'est voilà, c'est que mes tavernes sont beaucoup trop loin, quoi. 5, il y a moyen d'aller chercher un truc. Ah, allez. 25. Bon, j'ai compris une partie du taf, visiblement. Défi suivant. C'est quand même pas glorieux, le jeu, il l'a dit, hein. Il a dit en vrai t'aurais pu mieux faire. En fait j'hésite entre j'aurais peut-être dû mettre tous les champs
Enfin, voilà une solution que je propose à YouTube pour ceux que ça intéresse, c'est mettre tous les champs sur le grand sommet rocheux. Et vraiment juste descendre les tavernes, les jardins, là où il y a de l'eau, voire faire que des jardins là où il y a des rivières. Et faire des quartiers attenants aux tavernes. Faire vraiment un système de quartier. Bon, à la limite, on regardera ce que ça donne en fonction de. Des biches, oui, mais des Panzani. 52, 56. Oh, attends, là, il y a un. Ouais, c'est ça. Il y a un petit 76 qui se cachait ici, là. Un 54, donc par là. 4, 56 même. J'en ai 4 à poser là. J'ai un 42 qui se promène. Un 50, un 52. Voilà. Des champs, des vergers, des pommes. Alors, est-ce que t'as un bonus ou pas de malus en présence de vergers? Verger, côte prairie, forêt, rivière, lac, machin, patacoufin. Forêt, moulin à vent. Le problème, c'est que je sais pas si le verger compte. En fait, je sais qu'il compte comme de la forêt pour les bûcherons. Mais est-ce qu'il compte vraiment comme de la forêt que je qualifierais de sauvage? Sauvage. 30? 30? 30? Moi, 30, je prends. Hein. Je la rase, ta forêt de con. Hein. Rien à foutre. Hein. Jeu violent, on avait dit. Hein. Jeu violent, méchant, agressif, tout ça. Tout ça hein. Dans ta coulée de rivière, là, doit y avoir un petit peu. Voilà, ça se spot, ça. 21. 27. On apprend ta coudée. Hein. Donc, les vergers. Les vergers ne comptent pas. Comme voilà, ok, c'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle. J'en ai 18 des champs. Alors tu prends des malus de partout. Mais la roche là ne te colle pas de malus. Ok. Donc on pourrait complètement te mettre dans les terres. Mais on a de l'espace là-haut. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher l'espace qui est là-haut. Pour moi, on va encadrer cette zone-là. Ah oui, en plus, il n'y a qu'un seul moulin à placer, donc ça va, c'est cool. Bon, là, vas-y, on va encadrer. On va vraiment encadrer, encadrer. 11, 11. Ça nous a mis bien. Les bateaux de pêche, ils ont un bonus avec les pêcheries de 5 et la pêcherie a un bonus avec les bateaux de pêche de 4. Donc on va d'abord placer les pêcheries. 38. 38, ça me paraît fort sympatoche. Il y a peut-être mieux. Hein. Mais on en a quand même quelques-unes à placer. Donc là j'ai un 34 aussi. Ah, j'ai plus qu'une pêcherie à poser. 34. Into 30. Non, mais 34. Hein. Voilà, on va les garder par là. On va essayer de les concentrer. 32. 30, 30. 29, 32. 32. Je pense que c'est ok. 30, 27. Bon, on va aller chercher du 30. Hein. Partout où il y en a. Puis voilà. On n'a pas l'or, mais c'est pas gênant, défi suivant. Je pense qu'il y avait des choses à mieux placer. Quelques petites choses. Même si je pense qu'au niveau du moulin, il y a un raté. Il y a un raté sur le placement qui fait qu'on perd beaucoup de points. Église, quartier, jardin, marché. Ah.
Ok, donc église au centre, entouré de jardin, entouré de maison, entouré de marché. Mais il faut poser l'église en dernier. Il faut donc commencer par les maisons. Ah, quoique. Quoique, hein. Parce que l'église donne quand même 10 à chaque maison que je vais poser dedans. Hein. Alors que là, c'est un bonus par quartier. Ah, donc en fait, là, il est plus intéressant de commencer par poser l'église. Ah. Ah putain, on n'a pas d'endroit nickel chrome. Hein. Mais ouais, ça me va. Zéro. Jules m'a regardé, il m'a fait non, zéro. Que dalle. Là, je vais pas pouvoir, c'est chaud. Là, je peux complètement faire un comme ça. Ouais, ça sera la même. Poète, 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 poète. Et je peux pas. Et je peux pas. J'aurais dû le tirer. Comme ça. Aïe, 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 aïe. Le mec fait des bullettes. Quoique, attends. Si je faisais un 2, 3, 4. Ah, si, si, je pouvais. Bah ouais, dommage. Regardez, hop, on se la recommence. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais même libérer ensuite le quartier. Le premier quartier que j'ai fait, en fait, finalement, c'est le dernier. Il est mal placé aussi. Vous allez voir, ça va être incroyable. Pouette. Donc, je vais même commencer par. Tac, tac, tac. Into, tac, tac, tac. Fait. Tac, tac, tac. Ici je peux pas, ici je peux. Il me reste quoi en faire 1, 2, 4, mais il rentre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que lui, en vertical, c'était pas possible, sinon j'aurais mangé. Mais si 1, 2, 3, 4, je l'ai en vertical. Mais si je les ai en vertical, pourquoi je les place mal? Pourquoi je fais ça mal? Pourquoi là quand je les vois et quand je les vois pas, je les vois pas. Vous êtes 2 heures YouTube. Ok, on va pas s'énerver, on reste cool. On reste cool. Je suis pas énervé. Gros bonus. Oh là, là. On est parti un peu loin. Ok. Ça, c'est la partie aménagée en dernier. Celle-ci, je peux faire ça pour gagner de la place. Mais gagner de la place, là, c'est pas utile. C'est même nul, puisqu'il aurait mieux fallu que je la place en 1, 2, 3. Non, parce que j'aurais mangé ici. Ok. Ah, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire un truc un peu moche, on va dire. Va-t-on dire? Permettez-moi de vous offrir des jardins. 66, hein. On s'est mis d'accord tout de suite, hein. Encore des jardins, je peux aller chercher un 56, je vais pas me gêner. Et les petits marchés. Hop là. Ah, mais il me reste 6 baraques! Ah, j'avais encore un quartier en rab. Je suis en train de réfléchir à comment les rentrer. Hein. C'est vraiment. Je suis en train de me dire, vas-y gros, je vais rentrer des quartiers. Mais en fait, non. On va pas faire ça en réalité. Ah, ils sont pourris mes marchés.
marchés sont pas dingues. Hein. What? Ah oui, mais les marchés sont même... Ils sont même... je me demande même ce qu'ils font, ce qu'ils foutent là. Hein, je... Il me reste deux. Ah, j'aurais pu reclaquer peut-être un... Ah ben non. Deux étages. Deux étages, j'aurais pas pu reclaquer un quartier par ici. C'est neuf, hein. Ouais. Et les marchés... 4 les maisons, 4 les jardins, 6 les quartiers. Ouais, il y a vraiment que les quartiers qui les intéressent, quoi. C'est vraiment... pathétique, hein. 10... En fait, le problème, c'est que j'ai une rivière, là, c'est vraiment... 10... Oh là 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 là... 18... Oh, c'est minable. C'est minable. Mes marchés sont minables, voilà. Cette partie-là avec de l'eau, hein, elle m'embête. Hein. Elle m'embête de fou. 6, 6, ouais, 10, casse-toi là-haut dans ta montagne. Ah, mais j'ai la médaille d'or. Oh, bah d'accord. Il y a qui se prend trop la tête juste pour avoir sa médaille d'or. Depuis le début. En fait, j'étais en train de poser mes marchés qu'en fait, j'étais quasiment assuré d'avoir la médaille d'or. Bûcheron Age. Faire forge. Je vois pas le... Ah, bonus de 10 si j'ai placé les forges. Bonus s'il y a les... Ok. L'idée, c'est de d'abord placer okay, les mines et compagnie. Alors, c'est pas très naturaliste leur histoire, mais ok, ok, ok. Je vois l'idée. On va chercher déjà les deux à 65. Hein. Tout 60. Parce que, bon, on peut me parler de ce qu'on veut, mais... Ah si, je peux aller, ouais, je peux essayer de groupir mes mines un peu aussi quand même. Je peux quand même faire ça. Voilà, j'ai groupir mes mines. Je peux pas donner plus. Il n'y a pas plus groupir. C'est de la rivière, c'est chiant. Ah, c'est une grosse rivière, c'est bien chiant. Mais 130. Oh ouais, 130. Ça vient de se régaler très fort d'un coup. Hein. Ouais, peut-être pas 90, on va peut-être plutôt aller chercher, voilà, 200. 125, quoi que je fasse, bah 125, quoi que je fasse, voilà. Ça fait quelques points. Maintenant, les bûcherons, ça va être un peu plus sport, quoi, 27, ouais, on peut pas faire grand-chose. 30 ici, voilà, on peut aller chercher 30 tout de suite. Les bûcherons, ils vont être à chier, au secours. 27. 25. Ah, 27. Y'a rien à tirer, c'est horrible, c'est moche. Voilà, 24 au milieu de nulle part, super. Super, un autre 24 au milieu de nulle part. Vous avez vu comment j'assure. J'arrive à trouver rien. Voilà, 27. Défi relevé, succès déverrouillé, le numéro 4. Le tir 4. Ouh, incroyable. 24. J'ai une pauvre médaille de bronze. Ok. Ouais, sur le placement des... En fait, là, sur le placement des forges, on aurait pu gratter. Si, par exemple, je subissais pas le moins 25, j'aurais pu gratter 25 points de plus et on l'avait... Enfin, on avait tout du moins la médaille d'argent. Rien que sur ça. J'ai une médaille de bronze, je suis obligé de réessayer. Quoi? Non, je plaisante. Ouais, on va réessayer juste vite fait, on va voir. Je pensais qu'on pourrait gratter de fou avec les bûcherons en se disant ouais, on va pouvoir passer les bûcherons à côté des mines, tout ça, mais en fait, il n'y a pas de place, quoi. Il n'y a pas de place. Je pense que les deux mines ici, elles sont indispensables, pour être très honnête. 65, ça va être difficile de faire faire pseudo mieux, hein. Ça sera même, je crois, relativement impossible. Et elle, on va pas pouvoir non plus exploiter ouais, comme on veut, quoi. Il y a
a 60, il y a 60 ici, il y a 75 par là. Peut-être se bricoler un truc. Peut-être se faire un axe minier. J'ai fait un axe minier. Ça vaut ce que ça vaut. Là j'écraserais une mine de fer, mais ça serait 60 quand même. Hein. Là j'écraserais pas de mine de fer. Là j'aurais 75. On tente des choses. Hein. Voilà, on peut tenter quand même des grosses choses. Hein. On peut quand même tenter des grosses dingues. T'as un gros bonus avec les bûcherons présents. 10, c'est toi. Forge 10 aussi, ok. Alors on va forcément poser une mine à 165 là. Je peux aller chercher un autre 165, c'est pas mal hein, ça. Je peux aller chercher un 200. Et lui voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il devient il devient pauvre 90 dès que j'ai posé le 200 quoi. Par contre le 200 il régale. Voilà, et là voilà, on peut chercher peut-être un petit 125 puisqu'on a fait un axe minier, donc on a poussé les mines plus dans un sens que dans l'autre. Donc déjà mon score est meilleur. Voilà. Maintenant, à partir de là, mes bûcherons. Ouais, les gars. Ouais, 30. Ouais, si tu veux, ouais. Ça, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Hein. Ça te donne du plaisir, vas-y. Hein. Ouais, lui à 30 là. Et après, c'est fini. Hein. Et après, c'était méga bien. En fait. L'idée de se reposer sur des bûcherons, c'est un peu une idée de con. Bon, à 27, hein, c'est toujours mieux que 24. J'ai un 25 ici. Ah oui, parce que j'ai une mine à côté. Ok. Ouais, y a quand même moyen de bricoler encore peut-être un truc ou deux à la limite. 13, 17, 24. Ouais, y a plus rien à bricoler. Hein. Y a plus rien à bricoler. On va se le poser là, très joli. Superbe. Oui, mais ceci, j'ai jamais d'aide d'or. On peut accepter. Menu principal, ça a l'air d'être la fin. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être la bonne grosse fin. Voilà, on aura tout fait. Ouais, on a quand même des bronzes, hein. Il y a quand même deux bronzes. Hein. Même. Ce bronze-là qui fait très mal. Parce que c'est de la picole, j'ai pas su trouver la solution de la picole, j'ai pas compris. Voilà. Et non, annule. Voilà. Et la prochaine fois, on regardera le jeu libre. Voilà, on testera ça. Je vous remercie, c'était Knafrank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine.